Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo de Squad Busters, les amis. Alors, une petite question que j'ai eue et finalement, je me suis dit, en fait, c'est tellement simple que j'ai jamais répondu en vidéo. On est encore, au moment où je fais cette vidéo, dans l'événement spécial du monde sinistre. C'est-à-dire qu'il faut collecter des citrouilles, vous le savez, pour augmenter dans les paliers, débloquer des coffres, etc. etc. Et la question est, écoute, mon petit Vosk, comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de citrouilles? Et c'est vrai que j'ai été confronté à ça. Et en fait, la réponse est tout aussi simple que la question. Il faut au maximum utiliser nos amis, oh bah dis donc, j'ai eu un sacré lag là, nos amis Mavis et Greg, c'est-à-dire qu'il faut collecter des citrouilles, parce que dans le monde sinistre, c'est sous forme de citrouilles, mais sinon ça peut être des carottes ou quoi que ce soit, pour faire sortir des citrouilles, et il faut abattre des arbres, et c'est le meilleur moyen d'avoir des citrouilles et d'avoir beaucoup de citrouilles. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres moyens. C'est-à-dire que vous pouvez aussi trouver, typiquement, hop là, voilà, j'en ai ramassé une, vous pouvez aussi trouver des citrouilles, sur le chemin, mais si vous comptez que sur ça, vous n'allez pas avoir un nombre final de citrouilles assez affolant. Alors le problème avec ça, c'est que si vous mettez longtemps à obtenir vos citrouilles, vous n'atteindrez peut-être pas la fin de l'événement, puisqu'il faut grosso modo, alors j'ai calculé comme ça grosso modo, mais il faut à peu près 5000 citrouilles pour finir l'événement. Je sais pas si vous vous rendez compte, 5000 citrouilles pour finir l'événement. Alors si on en ramasse qu'une vingtaine, on va dire, par partie, vous divisez 5000 par 20, ça vous fait énormément de parties à faire. Alors que en utilisant de bonne manière notre ami Greg et notre ami Mavis, on arrive à avoir à la fin de chaque partie, grosso modo, 40, 50, voire plus. J'ai fait une partie ce matin, par exemple, où j'ai terminé avec 69 citrouilles, donc ce qui était assez énorme. Je cherche pas à faire un record particulier, mais je veux dire par là que si on se concentre un petit peu plus, on arrive à avoir énormément de citrouilles à la fin. Donc c'est ça qui est assez chouette. Forcément, ça va plus vite. Si on a une cinquantaine de citrouilles par combat, oui, effectivement, ça va plus vite à la fin et on a des chances de finir l'événement spécial. Parce que moi, je commence un petit peu à avoir peur. Je me dis l'événement spécial, il arrive, mais il continue, mais il va bientôt arriver à la fin et je vais pas avoir malheureusement suffisamment de citrouilles parce que je n'ai pas encore, par exemple, notre ami le Médor. Je n'ai pas encore Médor, donc il me faut énormément de citrouilles. Voilà les amis, donc on va se faire des petites parties. Je vais essayer de regarder combien est-ce que je peux avoir de citrouilles. Donc j'ai attendu que dans le... que notre ami Greg soit disponible dans la rotation, parce que c'est toujours un peu le cas, c'est pas tout le temps disponible. Quand on est en League Squad, les rotations changent assez peu finalement, donc soit on l'a et on est content, soit on l'a pas. Par contre là, je pense que je vais me faire torcher sur cette carte, ça c'est un peu le problème avec... je vais essayer au moins de cumuler un certain nombre de citrouilles avant de finir ce combat là. Tant pis, mais c'est un peu le problème avec ce mode là, avec le mode que je déteste là, que tout le monde déteste je pense. Allez, hop, vite. Tiens, lui, on peut le réduire. On va essayer de cumuler. Ouais, je pense que je risque de me faire avoir avant la fin du combat. On n'est plus que 6. Ah, tiens, un Greg fusionné. Ok, c'est cool. Alors ça, c'est le but aussi. Essayer d'avoir des Greg fusionnés. Parce que si on a une Mavis fusionnée, un Greg fusionné, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000 de plus. Et avec ça, vous détruisez les arbres et vous cueillez des citrouilles ou des carottes en 2-2. Et du coup, ça aide vachement, quoi. Et après, vous pouvez vous concentrer sur, améliorer votre squad et y mettre des tanks, des shooters, etc. Donc ça, c'est aussi le truc. Alors, je suis toujours là. Je suis top 6, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'était de cumuler un certain nombre de citrouilles. Non, tiens, je suis même top 5 maintenant. Non. Est-ce que je vais accrocher le top 5, les amis? C'est la bonne question. La question qui tue. Si je vais m'empaler sur l'autre, non, je vais sûrement pas accrocher le top 5. Une dernière citrouille, non. Bon, alors je termine A. C'est principalement pour vous montrer les citrouilles. Je cherche pas d'excuses, mais c'est surtout pour vous montrer les citrouilles et voir à combien j'en suis. Il me semble que je dois être à 42 ou 43 citrouilles, je crois. Tac. Alors. Voilà, 42 citrouilles, et sans maximum effort, avec un mode qui est un peu compliqué, etc. Sans Mavis, parce qu'avec Mavis, on cumule un tas de citrouilles, c'est encore plus ouf. Donc je vous propose qu'on se fasse, un deuxième combat. Alors, d'abord, avant ça, on va s'ouvrir le coffre, évidemment. Bon, alors, allez, je vais payer un petit peu pour la série. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé accrocher le top 5 en plus. Mais on va se refaire un exemple tout de suite avec... C'est parti, un autre combat.
Donc, en fait, ce que je vous disais, c'est que idéalement, quand vous avez Mavis et Greg, ça fait les deux combinés. Vous les avez un Mavis fusionné, une Greg fusionné, un Greg fusionné, une Mavis fusionné. Et alors là, là, vous faites un carton en termes de citrouille. D'ailleurs, dites-moi quel est votre record de citrouille dans une partie. Et tout de suite, on prend Greg. Allez, on prend Greg tout de suite. Alors, l'idée, en fait, est la même. Je dirais toujours la grosse difficulté, mais c'est pas que par rapport aux citrouilles. Hein, c'est un peu tout le temps pareil. C'est que le problème, c'est que si vous commencez votre squad et vous vous concentrez sur avoir une Mavis, un Greg, à les fusionner, etc., eh bien, vous en oubliez de renforcer votre squad avec assez de défense et puis assez d'attaque également. Ce qui peut donc poser un problème sur le long terme, enfin, jusqu'à la fin de la partie. Donc, il faut faire très très gaffe à ça et bien regarder votre environnement. Aussi, si vous voyez que les squads commencent à être, dès le début, sont déjà un petit peu, vous savez, commencent un petit peu à attaquer, un petit peu, voilà, il y a un environnement un peu belliqueux, on va dire. Et bah là, dites-vous d'abord, ok, bon, alors Greg, on va attendre un petit peu jusqu'à la fin du combat, parce que c'est pas non plus la mort si vous n'avez pas énormément de citrouilles. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En fait, l'objectif numéro 1 devrait quand même être à chaque fois le nombre de gemmes et le fait d'avoir une squad résistante, et les citrouilles arrivent après. Donc, là, vous voyez, typiquement, je suis dans mon coin, personne m'embête. Je sais pas pourquoi j'ai pris que des Greg. Je suis en train de vous dire, pas pour ne prendre qu'un seul Greg. Pourquoi j'ai pris que des Greg? Je répète tellement Greg qu'en fait, je suis concentré à dire Greg, 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 et du coup, je prends que des Greg. Regardez, déjà 11 citrouilles, c'est pas beau ça? C'est magnifique ça, hein? Déjà 11 citrouilles, ah là là, ouais, là ça va tellement vite. Regardez, et puis en plus, on ramasse des petites citrouilles à droite, à gauche. Ah oui, alors on est sur le mode, bah, toujours le même mode, évidemment. Alors là, il y a plein d'arbres en plus, ça fait vraiment plaisir. Hop, on en a encore un. Allez, j'ai fait combien juste avant? J'ai fait 42. Je me rappelle plus, j'ai fait 42 ou 43. On va essayer de battre, entre guillemets, de battre le record. Hop, on va se soigner tout de suite. Regardez ça. Hop, encore un petit arbre, encore une petite citrouille. Ouais, on en est déjà à 21 citrouilles, magnifique. On a fait la moitié. La moitié de ce qu'on a fait avant. Hop, on va aller prendre un petit coffre en bas. Ah non, c'est un coffre de loot. On prend quand même. Hop, il y a deux arbres ici. En fait, le nombre d'arbres, les gens oublient même de détruire les arbres, j'ai l'impression. D'autant que maintenant, vous le savez, les arbres pop plus qu'avant. Ça, c'est aussi une grosse différence par rapport à avant. Les arbres pop plus, réapparaissent, etc. Donc, faut vraiment en profiter. C'est la même chose pour les carottes et pour évidemment pour Mavis. Ou pour les citrouilles dans ce cas-là. C'est pas des carottes, c'est des citrouilles. Tiens, regarde, il y a encore une petite citrouille ici. On va larguer la petite tour. On va aller prendre une petite golden boot. Voilà. Toc. Le petit Frank, on le détruit. Enfin, Frankenstein, là. Le petit Mortis épique. Nickel chrome. La petite citrouille. Vous voyez, on est bien. Hein, c'est facile. Voilà. Personne nous embête. On est dans notre coin. Ça, c'est le scénario idéal. On se ramasse des petits loots avec grâce au mode butin. Nickel. Hop. Une petite. Tiens, oula, oui, oui, il a intérêt à se barrer parce qu'il n'a pas une grosse squad, hein, l'ami là. Hop, là, je suis deuxième, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Attention quand même, parce que tout peut changer jusqu'à la dernière seconde avec ce mode incroyable. Allez, tac, tac, tac. J'ai envie de le rétrécir. Ok. Ah oui, j'ai un Mortis, c'est pour ça que j'ai récupéré plein de monstres dans mon équipe. Nickel. Bon, j'en oublierai presque les citrouilles, les amis. On va aller détruire un petit peu d'arbres pour récupérer des citrouilles. Ouh la vache. Hop là. Maxi loot. Allez, on va détruire les deux arbres ici. 38. Ah bah attendez, je vais même peut-être pas battre mon record du premier combat. Ça serait dommage. Allez, attendez, faut que j'aille récupérer des arbres. Où sont les arbres? Où sont les arbres? Vite, 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 vite. Ah. Ça c'est rigolo, je vais même pas faire le. Je vais faire un pire résultat de citrouille que dans le premier combat. Par contre, niveau gemme, je suis bien mieux que le premier combat, ça c'est sûr. Ah, il y a encore un petit arbre ici. On récupère. Bon bah voilà, top 2. Alors on va regarder le nombre de citrouilles que j'ai eu, attention. Est-ce que j'ai battu les 42? Je crois que je suis juste en dessous. Si je dis pas de bêtises, il me semble que je suis juste en dessous, on va voir ça tout de suite. 45, ah ben non, je suis un petit peu au-dessus. Donc vous voyez, en deux combats, c'est-à-dire en 8 minutes, en moins de 10 minutes, on a donc 87 citrouilles. Et 87 citrouilles, ça commence à être pas mal. Alors que dans le mode traditionnel, sans penser forcément détruire des arbres, etc., on en aurait peut-être que la moitié, quoi, que 40. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les paliers, ils sont ouf. Hein, 5000 citrouilles à la fin, faut vraiment les avoir. Donc là, il y a un palier,
J'ai encore deux coffres, plus trois coffres là pour avoir le général, bref, enfin le colonel. Donc voilà, écoutez, c'est tout bête, hein, j'ai pas réinventé l'eau chaude dans cette vidéo, mais je vais vous dire, ne pas oublier surtout les arbres, prenez-vous un Greg et une Mavis, éventuellement si vous avez les deux dans votre rotation, ça c'est encore mieux, parce que ça va vous aider vraiment. Et je dirais, le temps qui est l'événement, bah, concentrez-vous peut-être davantage sur les citrouilles, tout en n'oubliant pas bien sûr les gemmes, mais concentrez-vous sur les citrouilles, concentrez-vous sur le loot, n'oubliez pas, hein, franchement, encore une fois, les petits trucs d'agriculture, et puis les arbres, et puis là, franchement, ça peut aller très très vite, plus ramasser les citrouilles à droite à gauche, bien sûr, et là, vous atteindrez des sommets, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, le petit abonnement, et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Squadbuster. Salut!